Premier jour, 12h15. Tiens, voilà. Il n'avait plus celle que tu voulais. J'ai horreur de celle-là. Oh, je suis désolée, chérie. J'aurais préféré un truc avec de la codéine. Mais si tu te sens vraiment pas bien, tu n'as qu'à rester ici un jour de plus. Non, ça va pas trop mal. Par ailleurs, si j'ai à être malade, je préfère que ce soit à la maison. Mesdames et messieurs, les passagers du vol 170 à destination de New York sont priés de se présenter. Se tient. Je répète, les passagers du vol 170... Eh bien, ça aurait été dommage si ça t'était arrivé hier. ...sont priés de se présenter à l'enfer. Tu parles d'un enfer si j'avais été dans un état pareil pour camper. À la semaine prochaine. Bon, écoute, je sais que tu vas être très pris avec cette histoire de désignation de candidat délégué, mais essaye quand même de nous passer un petit coup de fil, d'accord? J'aurais aimé que tu viennes. Ouais, on dit ça. Ah si, je te jure que c'est vrai. Je t'aime. Excusez-moi. Excusez-moi. Ouais. Dites-moi, vous pouvez m'accrocher ça, s'il vous plaît? Tiens. Bonjour. Bonjour. J'aime bien vous prévenir, j'ai attrapé un rhume carabiné. Ah, c'est pas grave, je viens tout juste d'en terminer. Hein. Et d'ailleurs... Oui, j'ai encore de la tétracycline comme preuve. Premier jour, 16h20. Alors cette histoire n'aurait jamais dû atterrir au service des maladies contagieuses. Elle aurait dû être simplement réglée par le département sanitaire. Comment aurait-il pu la régler avec cette grève des éboueurs? Oh, salut Lionel. Tiens, voilà le suivi de la situation. Oh, génial. Lionel, tu connais le docteur Prescott? Ah, seulement de nom. Bonjour, Lionel Katz. Chancé. Le docteur Katz a travaillé sur l'analyse des détritus qu'on a faites pour le maire. Sur les déchets animaux, surtout. Lionel, tu libères le bureau de Dolores. Quoi? Maintenant? Maintenant. Laura, oui. On est débordé par les vaccinations et on ne va pas tout arrêter pour analyser les poubelles. Non, je suis désolé. Cette grève est un truc politique, ça n'est pas notre problème. Ce garçon vient de l'Indiana. Oh, c'est vrai? Hey, Jake, j'ai été à Indianapolis dans le temps. Ah ouais. J'étais un peu déçu, je m'attendais à quelque chose de plus intéressant. Dites-moi, je croyais que la seule préoccupation de ce service, c'était la santé des malades. Oh, ne soyez pas si naïf. On place souvent la politique au-dessus des problèmes de santé à New York. Jack, il faut que je vous signale où on en est. Les démocrates doivent tenir leur convention nationale dans cette ville dans une petite semaine. Faudrait pas que les médias répercutent l'image d'une grande ville pleine de poubelles à travers le pays. Ah oui, alors c'est pour couvrir le maire qu'on fait carrière dans le service public. Eh bien, si j'y suis, c'est pas spécialement pour ça. J'ai embrassé la carrière parce que j'aime pas voir les gens malades. Content de vous connaître? C'est ça, moi aussi. Le café est chaud. Parfait. Si tu prends les choses trop à cœur, ça n'ira pas. Il ne faut surtout pas s'impliquer émotionnellement. On fait son boulot et on rentre chez soi. Je suis pas sûr de pouvoir faire ça. Oh, tu n'es en poste que depuis 2 mois. Tu t'y feras très vite. Oui, peut-être. J'espère que non. Comment est-elle? Eh bien, je crois qu'elle arrivera avec une grippe carabinée. Je suis peut-être indiscrète, mais... Quoi? Vous êtes le sénateur Phillips? Ça dépend. Est-ce que vous appartenez au syndicat national du crime? Non, je suis enseignante. Alors si c'est ça, je suis le sénateur Calvin Phillips. Je vous remercie. Et Pauline Stiles, je vous ai vu plusieurs fois à la télévision. Eh bien, je suis ravi de vous connaître. Alors, comme ça, vous êtes enseignante? Eh oui, dans le secondaire. Je n'ai pas l'habitude de voyager en première classe, mais j'ai gagné ce voyage à un jeu télévisé. Alors, je suis là. C'est vrai? Bravo. Merci. Pauvre petite. Enfin, on sera bientôt à la maison. Oui. Bonne nuit, Janet. Oh. Tu veux que je te donne un coup de main? Non, merci. Oh, Mary, merci. Les deux voix? Oui. Eh ben, en tout cas, je suis content de constater que toi aussi, tu peux t'investir à fond dans ton boulot. Oh, oui. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire pendant ton week-end? Distribuer des préservatifs aux étrangers du métro? Oh,
Non, j'avoue que j'ai encore un peu peur du métro. Ça va évoluer. Ouais. Oui, tu auras bientôt vraiment la trouille de prendre le métro. Ah bon, merci. Ah. Écoute, Nora, au cas où tu aurais besoin d'un coup de main, je n'ai aucun projet pour ce week-end et ça ne me déplairait pas de t'aider à ton truc. Non, non, ça vaut pas la peine, c'est rien. Ce n'est qu'un truc que j'ai à lire, c'est tout. C'est de la lecture. Que de la lecture? Taxi! Oh, je t'ai bien lundi. C'est ça. Si jamais tu changes d'avis... Je te le ferai savoir. Je te remercie. C'est ça. Passe un bon week-end. Oui, toi aussi. Au revoir. Au revoir. Premier jour, 21h25. Oh, je m'appelle, vous êtes bientôt chez vous. On va vous installer dans la voiture et vous n'aurez plus qu'à vous asseoir et à vous détendre. Et Madame Stiles, est-ce que je vous dépose pendant que j'y suis? Ah non, merci, ma voiture est au parking. Alors, est-ce que ça va aller? Elle est brûlante de fièvre. Eh bien, quoi qu'elle puisse avoir, vous êtes presque sûr de l'attraper. J'espère bien que non. J'ai déjà usé d'un congé maladie pour faire ce voyage. Merci. Ravi de vous avoir rencontré, sénateur Phillips. Moi-même. Allez, courage, petite jeune fille. On va directement chez elle. Au revoir. Au revoir. Nous allons faire deux arrêts. Nous irons tout d'abord au... 1099 Parker. 1099 Parker. Bien sûr. Je crois que nous y sommes. Oui. Bonsoir. Merci. Vous voulez bien prendre les bagages, s'il vous plaît. Venez. Encore merci. Vous ne voulez pas que je... Non, 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 ça ira. Je me sens bien. Bon. Guérissez vite. J'essaierai. Au revoir. Et où allons-nous, monsieur? Trump Tower. Et je finirai à pied. Qui êtes-vous? Avez-vous vu mes parents? Señorita, hablo español. Très bien. Gracias. Merci. Je suis fatiguée. Il faut que j'aille dormir, d'accord? Vous laissez mes bagages. Gracias. Merci. Merci. Que mercredi. Quoi? Ah oui. Oui. Ton père me prie de te faire un gros bisou. Bon, bah, je t'ai dit à mercredi. Je t'aime, ma belle. Je t'embrasse très très fort. Au revoir. Au revoir. Je vais pas bien du tout. Bonsoir, sénateur. Ravi de vous revoir. Le représentant des industriels a laissé les clés que vous aviez demandées. Merci. Dites-moi, est-ce que quelqu'un d'autre est arrivé? Ah, je ne saurais vous dire, monsieur. Je viens juste de prendre mon service. Merci.
Charlène? Tu es de plus en plus belle. J'avais comme l'intuition que tu ne serais pas là. J'ai bien failli ne pas venir. Qu'est-ce que tu as dit à Mike? Que j'avais une nouvelle robe à acheter pour la convention. J'ai l'impression qu'il ne m'a même pas écoutée. Mais Cindy et Pierce étaient dans la pièce. Calvin, voilà que je mens à mes enfants maintenant. Oui, j'ai menti à mes propres enfants. Charlène, je suis désolée. Où ça va nous mener tout ça? C'est vrai, c'est une situation sans issue. Mike irait se battre pour les enfants, ça j'en suis sûre. Et même s'il devait y perdre son siège au Congrès, je ne pourrais jamais le supporter. Pourquoi fait-il tout ça? Pourquoi fais-tu tout ça? Parce que tu t'ennuies? Non. Charlène. Non. Mais si... Tais-toi. Ne dis plus rien. Je me suis fait livrer à dîner. Je vais tout réchauffer. Deuxième jour, 10h53. Maman. Deuxième jour, 20h12. Sûrement une pneumonie. Prenez-lui sa température. Comment peut-on se mettre dans des états pareils? Allez, allez, dépêchons. Si on lui fait le test de Gram. C'est pas une mauvaise idée, Darkman. Allez, les enfants, on y va, on y va. Allons, vite. Un, deux, trois. Bon, il faut une piste. Très bien, on va prélever du sang. Oui, tout de suite. Voici, il y a des traces de barbiturique ou des roues. Oui, très bien. Prélevons aussi des expectorations. Elle nous lâche. Quel est ton nom, chérie? Dis-nous juste ton nom. Apollo.
pour la Jeanne d'eau. On n'a eu personne d'autre de ce nom cette nuit. Le pouls est à 85. Troisième jour, 9h20. Respiration difficile. Appelle les autres. Où est le docteur Lipski? Quatrième jour, 10h. Merci beaucoup. Merci. Dolores, tu veux essayer de finir ça? Merci. Tu t'arrêtes pas pour l'exercice d'alerte hebdomadaire? Non, j'ai trop de retard. Bureau du docteur A. Ah, un instant, s'il vous plaît. C'est le docteur Inshaw. Allô? Oui, bien sûr. Gramme négatif? Vous en êtes sûr? Vous savez qui est la victime? Non, vous avez fait ce qu'il fallait faire. J'arrive tout de suite. Je compte sur toi, tu finis ça, hein? Bien sûr. Nora, qu'est-ce qu'il y a? Rien de grave, j'espère. Quoi? Écoute, il faut que j'aille au Manhattan Général. Je t'expliquerai en route, viens. Intéressant, hein? Oui, très. J'ai vérifié auprès des autres hôpitaux. Aucun cas similaire n'a été remarqué. Je ne vois pas comment ça ne peut être qu'un cas isolé. Mais il s'agit du bacille de Yersin. Les admissions m'ont parlé d'un cas tragique d'overdose. Le cadavre est encore là? Oui, en isolation. Je l'ai fait revenir de la morgue. Est-ce qu'on a fait une autopsie? Est-ce que vous avez procédé au test d'anticorps? Très drôle. Et d'où vous le sortez, ce type? Du service de santé de l'Indiana. Écoutez, c'est tout juste si la ville nous paye le coton des pansements. Ouais. Nora, j'envoie ça tout de suite au centre de contrôle des maladies contagieuses. Mais il me faut une signature. Quatrième jour, 11h35.
Pourquoi il faut faire ça maintenant? J'allais justement rentrer chez moi. Je suis désolé, docteur, mais... Et pourquoi il faut vous mettre des masques? C'est pas la tuberculose, c'est pas la maladie du légionnaire. Je voudrais vous faire courir. Ça va, c'est bon, tout va bien, on n'en parle plus. Bon, allez, Fijine, sans-en. Sa fiche indiquait qu'il pouvait s'agir d'une toxicomane, mais regardez... Elle était bronzée, on voit la marque de son bikini. En général, les drogués ne sont jamais très bronzés quand ils arrivent chez nous. Elle a une marque d'intraveineuse ordinaire sur le bras. On dirait qu'on lui a fait aussi une ponction cardiaque. Qu'est-ce que vous pensez de ça, docteur? Ça pourrait être une piqûre de moustique, voire d'abeille. Néant la même chose ici. Bon, c'est plutôt pour le dard d'une abeille. C'est sûrement pas une injection, en tout cas. Et si c'était une piqûre de puce? Peut-être. Ouais. Comment a-t-on pu imaginer un seul instant qu'il puisse s'agir d'une piqûre d'aiguille? Parce qu'aux urgences, c'est toujours ça qu'il voit en premier. Et il faut qu'on lui coupe la langue? Oui, s'il vous plaît. Vous voulez le faire? Eh oui, je vais le faire. Qu'est-ce que vous voulez que j'enlève d'abord? Des viscères? Écoutez, pouvez-vous d'abord voir s'il y a des nodosités? Je crois qu'il y a quelque chose dans la région inguinale gauche. Oui, et aussi sous le bras. C'est pas très beau. Mais il y en a bien deux. Oh mon Dieu! Il s'agit bien d'une nodosité. Allez mettre une autre paire de gants. Je vais moi-même en faire autant. Et puis, il faudrait changer les masques. Et là, un grave négatif par-dessus le marché. Oui, j'ai vu. Docteur Martin. Allez-vous-en d'ici, vous. Docteur, vous entendez ce qu'on vous a dit? Allez-vous-en d'ici. Allons, messieurs. Faites disparaître les organes aussi vite que possible. Ensuite, vous prendrez 2 grammes de streptomycine chacun. Et vous ferez la même chose pendant les 5 jours qui viennent. Moi, je vais envoyer un fax au directeur du service de santé. Et s'il vous plaît, gardez le silence. Il faut éviter la panique. Appel de bureau. Je veux voir toutes les infirmières disponibles à leur poste. Fais revenir celles qui sont à l'extérieur et en vitesse. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est la peste, Jake. C'est la peste! Quatrième jour, 12h10. Est-ce que tu as trouvé le chef de service? Il est à Hawaï, mais le directeur du service d'hygiène est déjà en route. Les lundis deviennent de pire en pire. Au 7e, s'il vous plaît. Bon, j'ai à vous parler. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Alors, première chose à faire, il faut identifier cette fille. J'ai pris une photo à la morgue. Je suis désolée, mais c'est la meilleure que j'ai pu faire. Gail, tu appelles le service des disparitions. Bien sûr. Dolores, voilà, il faut que tu ailles à l'adresse où cette fille a été trouvée. Il faut que tu t'arranges pour l'identifier. Je veux savoir quels sont ses contacts. Et sachez qu'on a mis en place un centre d'accueil à l'intérieur de l'hôpital. Docteur Prescott! La streptomycine est de rigueur pour tous ceux qui ont approché cette jeune fille. 2 grammes au départ, et puis 1 gramme tous les jours pendant 5 jours. De la tétracycline pour les autres par prévention. Ceci vaut pour tous ceux qui sont dans cette pièce. Très bien, le docteur Hart va vous décrire les symptômes qui s'y rattachent. D'abord, la bactérie va attaquer les poumons. Dans les 12 heures qui vont suivre, le patient va être pris de frissons et d'une forte fièvre, comme s'il s'agissait d'une grippe. Très vite, de nouveaux symptômes se répandent. Le sujet ne peut plus respirer, il souffre de la poitrine et il tousse. C'est à ce stade que le patient devient extrêmement contagieux. Le jour suivant, il va cracher du sang, délirer, perdre la raison et très peu de temps après, il mourra. Si ça commence par la toux, ça peut s'enrayer avec de très fortes doses de streptomycine. Et il a une chance assez infime de rétablissement. Mais après le premier jour, les symptômes sont irréversibles. Et la mort est inévitable. Voilà maintenant. S'il s'agit vraiment de la peste pulmonaire, il n'y a aucun vaccin. Il n'y a aucun traitement qui puisse vous immuniser de façon certaine. Alors en prenant toutes les précautions dont on dispose, vous n'aurez jamais qu'un taux de prévention de 80%. Donc les risques sont réels. Excusez-moi. Et vous devez en avoir tous conscience. Et attention, on ne devra prononcer le mot de peste devant personne. S'il y a des questions, on n'a qu'à dire qu'on est en train de travailler sur un cas très dangereux et très contagieux de pneumonie. Très bien, allons-y maintenant. Vince. Nora. Bonjour.
Je suis contente de vous voir. Il me faut un rendez-vous avec le maire. Quand? Il me le faut tout de suite. En ce moment, il négocie avec le syndicat de ramassage des ordures. Je présume que c'est votre nouvel associé. Oui, le docteur Jack Prescott, le docteur Vincent Califano, notre éminent directeur de la santé. Très heureux de vous rencontrer, monsieur. Bon, essayons de faire preuve de réflexion. Cette jeune fille, apparemment, avait une pneumonie bactérielle, non? Bien que ce soit vraiment très triste, ce genre de cas est assez fréquent. Avec un gramme négatif? Oui. On sait que les loques humaines et les drogués perdent connaissance, vomissent, avalent de travers, ont les poumons qui s'infectent. Alors, ces radios ne correspondent pas à ce diagnostic. J'ai assisté à l'autopsie et je peux vous affirmer que cette jeune fille n'était pas une toxicomane. Écoutez-moi, docteur Califano, tous les chirurgiens, les infirmières, les garçons de salle qui sont entrés en contact avec cette fille courent d'énormes risques. Il s'agit de votre personnel, docteur. Essayez de vous calmer, voulez-vous? Et cessons de nous lancer du docteur à tour de bras. Mais on ne sait même pas d'où vient cette jeune fille, on ne sait pas, enfin, qui elle est. Écoutez, Jack, j'ai été confronté à ce genre de problème en Afrique à de nombreuses reprises, et ces épidémies ont toujours une certaine façon de s'éteindre d'elles-mêmes. Ah oui, et il y a combien de morts avant de voir la fin de cette épidémie? Vince, j'ai bien peur que si nous n'allons pas à la mairie, le temps que le centre de contrôle va prendre pour donner une confirmation nous mènera à la catastrophe. Nora, je ne peux quand même pas m'appuyer que sur des craintes. Je me vois mal dire au maire que vous voulez le voir parce que vous avez peur. Ce n'est pas parce que j'ai peur, c'est parce que je suis terrifiée. J'ai vu cette petite fille, Vince, et c'est la pire maladie que le monde ait jamais connue. Elle en a fait disparaître des civilisations entières. Très bien, très bien. J'espère que vous vous trompez. Quatrième jour, 13h10. Vincent. Oui? Il est de fort méchante humeur. Il veut arrêter cette grève avant le début de la convention. Mon cher Capoel, voici le docteur Hart, chef du service des épidémies. Vous allez bien? Oui, merci, bonjour. Vincent, vous m'aviez promis de ne pas le déranger avec ça. C'est qu'il doit assister aux négociations. Capoel, sachez que le maire et moi, on a quelque chose en commun. On prête serment. La seule différence, c'est que le mien existe déjà depuis 3000 ans. Ah, bonjour, Vince. Bonjour. Docteur Hart. Monsieur le maire. S'il vous plaît, asseyez-vous. Vous le savez aussi bien que moi, il y a pour l'instant qu'une seule victime. Et nous n'avons pas la confirmation du centre de contrôle. Pour l'instant, oui, c'est vrai. Mais c'est très facilement transmissible. Une poignée de main, un crachat, une toux... Oui, mais l'absence de tout autre cas semble aller à l'encontre de votre diagnostic. Peut-être s'agit-il tout bonnement d'un accident. Oui, monsieur le maire, sauf votre respect. Il y a 10 ans, nous avons eu aussi quelques cas isolés d'un autre type de maladie. Et maintenant, nous savons tous que 100 000 personnes sont mortes du sida. J'ai besoin de l'assistance de la police, du déblocage d'urgence d'une caisse de fonds spéciaux, d'une extension de mon droit à enquêter chez les gens. Je veux qu'on passe très vite sa photo à la télé pour l'identifier. Docteur Hart, je vais vous faire part de mon dilemme. Il va y avoir une convention dans cette ville. Ça devrait nous ramener des millions et des millions de dollars. Mais si je vais à la télévision et que je dise que nous avons un cas de peste à Manhattan, savez-vous ce qui va se passer? Je ne crois pas que vous ayez à faire ça. J'ai pris le dossier des mesures spéciales à appliquer pour les grandes catastrophes. Très bonne idée. Voyons ce que ça dit. La ville de New York s'étend sur une superficie de 815 km². S'il vous plaît, allez-y. Passez, passez. Excusez-moi. C'est vraiment un excellent rapport. A, tornade, B, ouragan, C, tremblement de terre, sabotage, attendez, épidémie... Ah, voilà, j'y suis. Les épidémies sont considérées comme échappant au programme usuel des mesures employées en cas d'urgence. Eh bien... Nous devrons improviser. C'est quand même pour ça qu'on me paie. Gérer les cas limites, pas pour présenter la photo d'une jeune fille à la télé. Tous les cinglés de Greenwich Village viendraient dire qu'ils l'ont vue. Docteur Hart, si les choses venaient à s'aggraver, ça me rassurera de savoir que c'est vous qui vous en chargerez. Merci. Maintenant, allez-y, faites ce que vous avez à faire, mais faites-le discrètement. Est-ce que c'est clair? Tout à fait. Quatrième jour, 14h25. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? Ne vous inquiétez pas, faites-nous confiance. Nora!
Hilary Daniels était l'infirmière de garde quand cette fille a été admise ici. Elle vient d'arriver avec ses deux gamines. Elles souffrent toutes les trois des mêmes symptômes. Fais les mettre en isolation et assure-toi que tout le monde ici a pris son traitement. Ouais. J'en ai marre, moi, de cet hôpital. Ça va comme ça, je travaille trop. Je demande à me faire muter dans un autre endroit. Docteur Lipsky. Mais en fait, qui êtes-vous? Je suis le docteur Prescott. Écoutez, vous avez été exposé à une maladie très dangereuse et très contagieuse. Il faut que je sache avec qui vous avez été en contact en sortant de cet hôpital. Je n'ai eu aucun contact avec qui que ce soit. J'ai bossé ici 48 heures d'affilée. Vous pouvez vérifier sur le cahier des urgences. J'ai attrapé une grippe. C'est évident, non? Qu'est-ce que c'est? C'est rien. Docteur. Emmenez-la en isolation. En isolation? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'arrive à moi? Bonjour, vous êtes l'ami de David Berman? Oui, c'est ça. Venez. Qu'est-ce qui se passe? Il est vraiment très mal. Je lui ai apporté quelques affaires, mais... Vous savez ce qu'il a fait quand il a quitté son travail hier? Il s'est encore plaint de ses horaires infernaux et est allé se coucher. Vous étiez là quand il est rentré? Non, c'est parlé au téléphone. Très bien, quand avez-vous été en contact avec lui? Cet après-midi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Chapman, vous avez été exposé à une très mauvaise pneumonie. Je vais vous traiter à la streptomycine pendant 5 jours. Je regrette, mais je vais devoir vous garder. Vous me retenez ici? En observation, oui. Mais, docteur, c'est quand même pas si grave que ça. Enfin quoi, vous exagérez. Il va s'en sortir ou quoi? Mademoiselle, nous ferons tout ce que nous pourrons, monsieur Chapman. Venez par ici. Asseyez-vous. Vous relevez votre manche. Et vous vous détendez. Jake! Bon, qu'est-ce qu'on fait? Appelle la sécurité, fais-moi venir la police ici tout de suite. Il va falloir fermer entièrement toute cette partie de l'hôpital et retenir tout le monde ici. J'ai dit tout le monde. Ne vous inquiétez, sur la sécurité, personne n'entre et personne ne sort. Nous sommes bien d'accord. Mademoiselle, vous continuez à recenser toutes les personnes qui sont ici. Prenez bien tous les noms. Bon, allez ici, mon petit poulet. Allez, viens, viens, viens. Ça va très bien se passer. Ne t'inquiète pas. Allez, viens. Viens avec moi. Quatrième jour, 14h51. Ça y est, tout le monde est bien installé. C'est bon. La chose la plus importante à se rappeler concernant les grands principes républicains du gouvernement, c'est... Mademoiselle, est-ce que ça va? C'est que les dirigeants sont généralement... Qu'est-ce qui lui arrive? Oh là, oh, ça a l'air grave. Oh, elle a perdu sa connaissance. Tranquillement. Mais vite, faut aller chercher le directeur. Ouais, vas-y. Quatrième jour, 16h55. Nora, elle s'appelait Dobbs. Sarah Dobbs. C'est une fille d'un très bon milieu. Sa famille est super aisée. Ses parents sont en voyage, elle était toute seule. Je ne sais pas, je vais demander. Qui était de service vendredi soir? Raphaël Ortiz. Il est malade depuis ce matin. Le portier de vendredi est malade lui aussi. Je vais aller le voir. Sarah Dobbs. C'est un billet d'avion, Jake. Non mais attends, ça n'est peut-être pas grave. Oui, tiens, regarde, c'était vendredi. Elle n'était pas nécessairement contagieuse au cours de ce vol. Mais il n'y a rien qui le prouve. Si, écoute, je viens de lire un rapport là-dessus. Les avions échangent des quantités d'air massives quand ils sont en vol. Attraper une maladie sur un avion, c'est comme l'attraper sur une plage avec un vent soufflant à 5 nœuds. Gay,
Appelle la compagnie, tu leur demandes le plan des places assises et tu vérifies le nom des passagers. Tu les joins et tu vois s'ils sont souffrants. Oh, mais bon sang ! Quoi ? Comment elle est revenue de l'aéroport ? Et a-t-elle pris un taxi ? A-t-elle pris un bus ? Et... Nora ? Oui ? L'école de Saint-Sébastien vient d'appeler. Une enseignante s'est évanouie en plein milieu de son cours, on l'a amenée ici. Elle a tous les symptômes. Alors j'ai retenu toutes les personnes de cette école, ils sont très coopératifs jusqu'à présent. Vince, quel est le nom de cette dame ? Pauline Stiles. J'ai fait appeler le maire, je lui ai conseillé de faire une déclaration de péril imminent. Gail, vérifie si Pauline Stiles était sur ce vol. Entendu. Mais qu'est-ce que vous faites là ? Ah, je suis en quarantaine. Non, vous êtes retenu, vous n'êtes pas en quarantaine. C'est l'ami de David. Ouais, il est reporter pour le compte de la Voix du Village. Vous m'aviez dit que vous étiez l'ami de David Bergman. Je suis l'ami de David Bergman et je suis aussi reporter pour la Voix du Village. Mais je ne suis pas là pour raconter ma vie. Avez-vous un commentaire officiel à faire sur ce qui se passe ici ? Est-ce que ça a quelque chose à voir avec le sida ? Monsieur Chapman, nous nous battons contre une infection bactérielle particulièrement contagieuse. On tente tout pour qu'elle ne se ferait pas un large passage dans la population. Et nous devons prendre toutes les précautions. Et ça n'a rien à voir avec le sida. Docteur, pouvez-vous être un peu plus précis sur... Et docteur Hart ? Quatrième jour, 18h15. Calvin ? Oui ? Qu'est-ce que c'est ? Oh, je te l'ai dit, j'ai eu un rhume et le médecin m'a donné une prescription. Bon, ça a vraiment bien marché, on dirait. Qu'est-ce qu'il y a de drôle ? Il y a une certaine ironie dans tout ça. Quoi ? Eh bien, quand tu m'as dit que nous allions passer presque tout le week-end au lit, j'ignorais que c'était de ça que tu parlais. Ah, eh bien, c'était pas de ça. Mais... il semble que ça te ferait presque plaisir. Comme ça, on parlera plus. On verra mieux les sentiments qu'on éprouve l'un pour l'autre. Tu ne vas pas me rechanter ta chanson ? Tiens, tiens. Feelings, ho 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 ho, feelings. Est-ce que c'est par ça que tu commences ton discours, mercredi ? Oui. Nous avons vu la plupart des valeurs morales de notre pays attaquées par l'égoïsme et la cupidité, une véritable maladie de l'âme et non du corps. C'est pas du tout ainsi que je leur insufflerai du courage. Je vais faire dans le drame et la poésie. Je vais sûrement prendre une voix plus basse. Bravo. Tu es comme Mike, je hais la politique. Calvin, si j'attrape ton truc... Comment ça commence par un mal de gorge ? Comment ça, si j'attrape ton truc ? Bien sûr que tu vas l'attraper. Je suis Madame Rosales, du département de la santé. Je voudrais parler à Raphaël Ortiz, s'il vous plaît. Non, non, il n'y a pas de Raphaël. Écoutez, on m'a dit qu'il était ici. Il n'y a personne ici pour vous, d'accord ? Couverture sur toi. Là. Et sur ta jolie petite poupée. Hein? T'es une infirmière ? Ma mère, elle est infirmière. Elle est là-bas. Non. Je suis docteur. Ça, c'est le métier que je veux faire quand je serai plus grande. Docteur Hart, il y a une certaine Dolores qui vous demande au téléphone. Tout à l'heure, ma douce. Quatrième jour, 20h37. Ils doivent pas être en règle avec leurs papiers.
Écoutez, je ne veux surtout pas qu'on leur fasse peur. Est-ce que c'est compris? Jake, tu attends avec les auxiliaires médicaux. Si dans 5 minutes on n'est pas là, alors tu montes. Doctor, además ustedes presenciaron aquí con sus propios ojos demostraciones con polvo, varios del público. Después lo dejaremos todo a su destino. Curandero o impostor, ¿sí? On vous a déjà dit qu'il n'y avait pas de Raphaël. Fichez le camp. Dégage de là, tu vas nous attirer les ennuis, laisse-moi faire. Immédiatement, la police va venir et ils vous emmèneront. Ne leur fais pas confiance. Oh, s'il vous plaît, entrez, mesdames. C'est mon fils, il n'est pas bien, vous savez. Dolores, sois gentille, tu veux. Explique-leur la situation. Moi, je m'occupe de lui. Vous savez, Raphaël est très malade. Il faut qu'il aille. Non, non, je n'aime pas les hôpitaux. On n'ira pas à l'hôpital. Écoutez, Raphaël a une maladie dangereuse, c'est grave. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne vous laissez pas soigner, vous allez tous mourir. Asseyez-vous. Attends, s'il vous plaît, calme-toi. Asseyez-vous. J'ai dit assis. Mais écoutez-vous, ne faites pas l'idiot. Il faut que je vous fasse un vaccin. Vous avez envie de vivre ou non? Alors écoutez-nous. S'il vous plaît, soignez mon bébé. Laissez-la faire. C'est un ordre. Arrêtez. Non, non, il n'en est pas question. Hey, Jack, non, mais dis-donc, ça va pas? Toi, va-t'en. Non, s'il vous plaît, calmez-vous, hein. Tire-toi de là. Calmez-vous, je vous dis. Tire-toi de là, tire-toi de là. Suffit. Non, mais tu vas tirer chez moi, ici, chez moi. Oh non, 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 arrête. Oh, mais je t'en supplie, arrête. Police. Hé, séparez-vous. Séparez-vous, je vous dis. Toi, viens. Dolores, tu vas faire un vaccin à tout le monde. Jake, reste tranquille. Alors, monsieur a voulu jouer les héros. Je vais te raconter une histoire. Une nuit, il y a environ 2 ans, mon mari et moi, on revenait d'un kiosque à journaux situé à moins de 100 mètres de notre appartement. Et un homme a surgi d'un seul coup d'un coin sombre et nous a demandé nos portefeuilles. Adam lui a tenu tête et maintenant il est mort. Et on lui a quand même pris son portefeuille. N'oublie jamais que tu es à New York. Je ne suis pas impressionnée par ce que tu as fait. La police était juste derrière la porte et c'est elle qui est payée pour faire ça. Et on n'est pas en Indiana. Te redonner une nouvelle dose de streptomycine. La bactérie pourrait très bien passer dans ton réseau sanguin. Et c'est gentil de m'offrir ma petite piqûre de supplément. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Des rats. Il y avait des rats dans l'appartement. Le malade était allongé contre le mur et j'ai pu voir des piqûres de pus sur son bras. Bon, alors qu'est-ce que tu veux en premier? Les bonnes ou les mauvaises nouvelles? Oula, d'abord les bonnes nouvelles, s'il te plaît, hein, j'ai besoin de me rassurer. La bonne nouvelle, c'est que les rats de New York ne sont pas les plus aptes à transmettre efficacement ce fléau. On peut affirmer que leur puce fixe assez mal ce genre de bactéries. Et la mauvaise nouvelle maintenant? Eh bien, c'est que d'une certaine façon, ils peuvent effectuer leur part de boulot. Il y a quand même 7 millions de rats qui courent dans New York. Ils utilisent les égouts comme système de déplacement. Alors imaginez qu'une puce qui a piqué un type infecté saute sur un rat, le pique, que ce rat chope la peste et qu'il aille ensuite faire la fête avec ses 7 millions d'amis. Qu'est-ce qu'on va faire? On va investir les 20 immeubles situés à côté des Ortiz, les bombarder avec un bon insecticide. On tue les puces, on prend quelques rats et on voit s'ils ont la peste. Quand ils vont la prendre par voie de presse, les gens se mettront eux-mêmes à tuer leurs rats. Ben, s'ils font ça, s'ils s'acharnent sur les rats, ceux qui sortiront viendront saigner à l'air libre et mourir, il y en aura partout. Et les puces sauteront sur le premier corps chaud qui se présentera. Comme celui d'un homme. Ouais, comme vous dites. Très bien. Katz, quel est ton avis sur la question, toi qui es toujours si optimiste? Au cas où ils rencontrent des conditions idéales, les rats peuvent contribuer à une accélération du fléau. Quelles sont les conditions idéales? Des gens entassés, vivant dans de vétustes appartements en sous-sol. Et de quoi approvisionner les rats en leur offrant une nourriture facile d'accès. Comme font les éboueurs en grève. Eh oui, vive les éboueurs en grève. J'ai de quoi faire. Quatrième jour, 23h15.
Ce serait de la folie de notre part de croire que nous contrôlons parfaitement la situation. Il y a encore trois personnes qui étaient sur le même vol, dont on est sans nouvelles. L'une d'elles est un sénateur. Et il y a toute une famille habitant la 104e rue qui est infectée. À l'heure qu'il est, on a peut-être déjà une épidémie sur les bras. Ce n'est pas quelques immigrés de Harlem qui font une épidémie, Dr. Hart. Non, c'est pas vrai. Ce que je voulais dire par là... Non, je crois que nous avons tous très bien compris. Excusez-moi, c'était... Sachez que je suis tout à fait choqué par ce genre d'attitude. Et je... Jake ! Ça suffit. Je suis très fatigué. Je suppose que mes excellents médecins le sont autant que moi. Je crois simplement qu'on aurait tous besoin de souffler et respirer un peu. Après tout, je ne sais pas qui vous êtes. C'est le docteur Jack Prescott. Il travaille avec moi. Dites-moi, Prescott, j'espère que vous savez que cette réunion, les commentaires que nous sommes en train de faire et les conseils que vous me donnez sont hautement confidentiels. Je ne vais pas du tout vous donner de conseils, monsieur. Eh bien, j'ai fini par trouver dans cette ville quelqu'un qui ne veut pas me donner de conseils. Jake vient de l'Indiana. Bon, alors, je suppose, Dr. Hart, que vous serez plutôt favorable à une déclaration de péril. Oui, monsieur, tout à fait. Vince? Je suis d'accord. Capwell? Monsieur, si vous déclarez l'état de péril imminent, nous gâcherons la convention. La grève des éboueurs et la hausse du taux de criminalité ont déjà fait baisser le tourisme de 30%. Je pense que la peste pourrait nous enfoncer définitivement. Eh bien, tout ce que j'ai à dire, Dr. Hart, c'est que dans un premier temps, il semble que vous ayez contenu les choses. Attention, monsieur, la presse est très curieuse. Si elle découvre un seul cas, ce sera la panique. La panique ? Ça m'étonnerait que cela puisse causer plus de panique qu'une grande déclaration de péril imminent. Je déteste aller contre les avis des médecins, mais je crois que pour une fois, je vais écouter Capwell. Tenez-moi informé. Monsieur le maire, avez-vous déjà entendu parler de l'ancien port égyptien de Seine ? Excusez-moi ? En 546, après Jésus-Christ. Cette même bactérie, Yersinia pestis, connue sous le nom de peste noire et aussi sous celui de mort noire, apparaît soudain dans le port égyptien de Seine. Il y eut tellement de morts qu'on ne put creuser assez de tombes pour enterrer la population. Alors on fit ouvrir le sommet des tours et on entassa les corps à l'intérieur. Ensuite, on mit les cadavres dans des bateaux que l'on remorqua jusqu'à la haute mer et on les laissa dériver. Quand tout fut terminé, il y avait plus de 100 millions de personnes décédées. La moitié du monde. La moitié. Aujourd'hui, il n'y a aucun vaccin qui puisse prévenir cette forme de contagion. Le traitement n'est qu'à 80% efficace. Et encore, ce n'est pas sûr. Il faut qu'on l'ait pris avant que les symptômes n'apparaissent. Ou sinon, on est mort. Et vous, vous croyez que nous l'avons contenu? Vous, vous pensez qu'il s'agit encore d'une de ces maladies regrettables qui n'affectent que les asociaux, les accros de la drogue et les immigrés? Monsieur le maire, en 5 jours, la moitié de cette ville peut disparaître. Pensez-y 5 jours. Vous avez envie de jouer avec ça? Cinquième jour, 1h15 du matin. Oh, il y a sûrement quelque chose à boire dans le frigo. Mais je sais pas quoi. Bonsoir, c'est moi, c'est Nora. Alors, on a retrouvé tout le monde, sauf le sénateur Phillips. Tu vérifies dans tous les hôpitaux et dans toutes les morgues si quelqu'un de non identifié a été enregistré. Tu as eu sa femme, qu'est-ce qu'elle en dit? Eh bien, s'il reste introuvable, on le chopera à l'aéroport quand il partira pour Washington. Mets en place une équipe d'urgence à l'aéroport Kennedy. Envoie sa photo à toutes les sociétés de taxi et location de voiture. Peut-être qu'on retrouvera le chauffeur qui a pris Sarah Dobbs. Oui, s'il y a quoi que ce soit, tu appelles chez moi cette nuit. C'est ça? Allez, passe une bonne nuit. Au revoir. Ils sont beaux, tes verres? Oui, et j'en ai encore des plus chouettes chez ma mère à Ottawa. T'es canadienne? Oui, je suis canadienne d'origine. Allez. Quoi? Viens ici. On change le pansement. Ah oui, d'accord.
En fait, je suis venue faire mes études ici. Parce qu'Adam voulait venir à New York pour faire sa médecine et je ne pouvais pas vivre sans lui. Tu sais comment c'est quand on est jeune. J'ai d'abord vécu dans une espèce de trou immonde dans le centre-ville. C'était vraiment affreux. Ah ouais. Ah oh. Oui, c'est bon, non, ça va très bien. Ah, je suis désolée. Oui, c'est encore un peu à vif. J'avais fait une sorte de calendrier sur un grand morceau de papier d'emballage de boucherie. Ouais. Mm-hmm. J'avais mis nos deux noms dessus et une grande reproduction de l'Empire State Building. Au fil des semaines, on tenait comme une espèce de comptabilité journalière. Il y avait les jours où la ville gagnait et il y avait des jours où on gagnait. Et en cas de match nul? Il n'y a jamais de match nul. Et comment ça s'est terminé? Eh bien, je peux t'affirmer qu'après environ 2 mois, on a déchiré le calendrier. Mais vous n'êtes pas parti? Non. Non, on est resté en ville. Tu n'es pas ici depuis très longtemps. Il y a 10 ans, les choses étaient différentes. Oh, bien sûr, c'était déjà très dur, mais... Oh, je sais pas, les choses ont commencé à se dégrader lentement. On a fini par s'habituer à tout accepter. Tu ne remarques même plus cette femme sans abri qui est là à mendier pour pouvoir nourrir son enfant. Tu ne vois plus ce vieil homme dans le parc qui passe ses journées à parler tout seul. Tu en arrives à oublier que ton quartier est entre les mains des caïds de la drogue et des revendeurs. Qu'un de tes amis a le sida. Tu te sens vraiment démuni. Tu voudrais crier. Mais tu ne sais pas à qui t'adresser. L'horreur et la violence frappent à l'aveuglette. Et personne ne sait plus qui contrôle les événements. Alors tu restes muet comme paralysé. Peut-être qu'on ne peut rien y faire. Peut-être qu'on ne peut rien y faire, Jake. Peut-être qu'on ne peut rien y faire. Bien sûr, oui. Je crois que je peux retourner à l'hôpital. Non. Non, non, c'est pas grave, non. T'es sûr. Ça te gêne de prendre le divan? Non, pas du tout. Bon, cherchez une couverture. Cinquième jour, 1h du matin. Excusez-moi. Désolé, monsieur. Écoutez, comprenez-moi, mon ami est en isolation. Je dis désolé, monsieur. Comment ça va? Vous voyez, il a commencé à avoir de la fièvre et après.
Je peux vous aider? Oui, je dois consulter les fiches de toutes les personnes qu'on a mises en isolation aujourd'hui. Vous pouvez me taper le code d'accès? Oh, mais oui. Il paraît qu'il y a eu une époque où ce genre de choses devait se faire à la main. Eh bien, le progrès ne m'a jamais fait gagner du temps. Dommage. Salut Barry, c'est moi, Niles. Non, ils n'ont pas voulu que j'aille le voir. Écoute, j'ai besoin de toi pour vérifier un truc dans mon bureau. Oui, vas-y, prends le déco médical sur l'étagère de gauche et tu regardes à Yersinia Pestis. Yersinia. Merci. Charlène. Je crois que c'est autre chose que la grippe, Calvin. Je me sens vraiment mal. Peut-être qu'on devrait aller à l'hôpital. Non, pas d'hôpital. Tu imagines ce que la presse ira dire sur moi si on se fait examiner à l'hôpital? Ce sera pareil pour Mike. Un sénateur malade court se faire soigner dans un hôpital de New York avec la femme d'un collègue. Comment expliqueras-tu ça à tes enfants? Je crois que tu as raison. C'est simplement une grippe. Cinquième jour, 6h10. 12? Oui, très bien. Mais elle arrive, je vais lui dire. Entendu. Tiens. En plus, cette cuisine, c'est trop. Il y a un excellent traiteur en bas. Tiens, regarde ça. La peste est aux portes de vos maisons. Voilà, rien de tel pour affoler la population. Je viens de recevoir un coup de fil de l'hôpital. Il n'y a pas de nouveaux cas, mais... la famille Ortiz n'a pas été prise à temps, ils ont tous les symptômes. Les gens de la première équipe qui ont traité Sarah Dobbs sont morts la nuit dernière. Bergman, Lipsky et Daniels et ses deux petites filles. Merci. Et on n'a pas encore retrouvé le sénateur, alors je pense que c'est simple. Ou il est mort ou il n'a pas été infecté. Il y a une troisième possibilité. Laquelle? Il était peut-être déjà sous antibiotiques pour autre chose. Et il serait en sursis, c'est ça? Ça se tient. Quel comité d'accueil? Qu'est-ce que ces types font ici? Il y a des lionnels là-dessous, il craque les puces et l'épaule d'animaux. Ben, il pourra attendre dehors. Oui, s'il vous plaît. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Vous ne pouvez pas faire une petite pause? Je ne voudrais pas que les parents de Sarah vous voient quand ils arriveront. Ils vont déjà avoir un grand choc, je ne voudrais pas en rajouter. On reviendra dans une heure. T'as vu ça? Il y a un film dedans. Alors, on va le faire développer. Mais qui êtes-vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que vous faites dans notre appartement? Sarah, est-ce que tu es là?
Madame Dobbs. Je suis le docteur Hart. J'appartiens au département de santé. Je suis désolée de vous accueillir de cette façon. Avez-vous un mandat, au moins? Non. C'est Sarah. Où est-elle? Elle a contracté un type très dangereux de pneumonie. Mais elle... elle va bien. Mais... et il faut que je vous dise... elle nous a quittés dimanche soir. Oh mon Dieu. Nous avons fait vraiment tout ce que nous avons pu. Cinquième jour, 10h09. Qu'est-ce que c'est la peste? Non, laissez-moi passer. Je vous en prie. Non, non. Combien y a-t-il de morts à ce jour? Aucun commentaire. Je suis vraiment très pressée. Je dois... Docteur Hart, s'il vous plaît. Le public a le droit de s'en aller. Je vous en... Le public a le droit de savoir. Oui, je suppose que c'est vrai. D'ailleurs, si vous avez essayé de vous enfuir, c'était sûrement pour informer le public. Les téléphones ne marchaient pas ou quoi? Vous préfériez faire du porte-à-porte? Et comment envisagiez-vous d'informer le public? De la même façon que pour l'arrivée du sida. La peste est une maladie contagieuse, non? Et ça regarde votre département. Qu'a-t-il fait, ce département, en matière d'information publique? Et qu'a-t-il fait pour David? Mon ami est mort ici cette nuit. Qu'avez-vous fait pour le sauver? Malheureusement, pas suffisamment. J'ai paniqué. Je n'ai pas une âme de martyr. Le traitement que vous proposez n'est qu'à 80% efficace à ce qu'on dit. Je peux encore choper cette foutue maladie et crever. D'ailleurs, j'aurais tendance à croire que vous en présentez déjà tous les symptômes. Écoutez, Niles, est-ce que vous avez des enflures, des inflammations, de la fièvre? Non. Qu'est-ce que vous diriez de venir avec nous? De nous suivre sur le terrain pendant la durée de cette crise? Vous vous ferez votre propre opinion sur nous et sur tout ce qu'on fait. On continuera de me reprocher de m'être déguisé en docteur? Oh, laissez tomber, Niles, c'est un détail. Je ne vous garantis pas d'avoir un avis favorable, j'écrirai ce que je vois. C'est exactement ce qu'on vous demande. C'est intéressant. On trouve ce genre d'écureuil en Californie. Ah. Les photos sont là. Génial. Bonjour, Lionel. Bonjour, Nora. J'ai quelque chose à vous montrer. C'est en Californie qu'on trouve ce genre d'écureuil. Cette petite bête était sûrement très mal en point pour se laisser dorloter comme ça. Qu'est-ce que ce genre d'écureuil a à voir avec la peste? Bon, il est avec nous. Docteur Katz, voici Niles Chapman. J'aimerais que tu le mettes rapidement au courant de ce qu'on fait. Enchanté. Monsieur Chapman, on sait qu'il y a un réservoir de peste chez les rongeurs qui vivent à l'extrême ouest. Jusqu'à il y a 5 jours, elle se déplaçait lentement dans notre direction à raison d'un méridien par an. Cette maladie très ancienne aux mécanismes complexes rôde par ici depuis pratiquement toujours. Et elle continue à évoluer. On n'est pas sûr de pouvoir la faire disparaître. J'ai parlé à la tante de Sarah en Californie. Ah, comment va-t-elle? Sous le choc, mais ça va. Ils ont pris cet écureuil l'après-midi précédant leur départ. L'après-midi? Mais à cet instant, Sarah n'était pas contagieuse. Non, elle ne l'a été qu'à la fin du vol. Ah oui, on a aussi retrouvé le chauffeur de la limousine. Bien. Oh, docteur Katz, on a besoin de vous dans la 104e rue. J'y vais tout de suite. Et du côté de l'aéroport, il y a quelque chose? Non, rien. Oh. Enfin, où est ce Calvin Phillips? Cinquième jour, 15h02. Vous avez d'abord laissé la jeune fille? C'est ça. Et ensuite, le sénateur m'a dit de le déposer à Trump Tower. Alors c'est là-bas qu'il réside, donc? Non, je ne crois pas. J'ai eu l'impression qu'il ne voulait pas que je sache où il se rendait. Bon, je vais vous faire une injection de strepto. Et vous devrez en prendre pendant les 5 jours qui viennent. Attendez une minute. Vous croyez que je suis malade? Non, pas forcément. Mais on ne peut prendre aucun risque. Relevez votre manche. Bonjour, Dolores. De Hall Tunnel sont refoulés jusqu'à la 109e rue. La circulation est bloquée dans les deux sens aux abords de Williamsburg. Cinquième jour, 19h55. Monsieur, la presse insiste pour que vous fassiez une déclaration. Je compte en faire une. Dites-leur que je la ferai une fois que j'aurai mes rapports concernant tous les quartiers et qu'il n'y a aucun danger pour le public pour l'instant. Dites-leur ça. Ensuite, j'aimerais que vous alliez au Manhattan Général et que vous fassiez accélérer le mouvement. Vous voulez vraiment que j'aille au Manhattan Général? Ouais. Vous n'avez pas arrêté de nous dire que vous ne vouliez pas croire à une épidémie, rappelez-vous. Alors pourquoi continuerait-elle à s'étendre? La réaction des autorités se fait attendre. Bien, monsieur. Tous les yeux sont braqués sur le maire, mais pour l'instant, nous n'avons enregistré aucune déclaration émanant de la mairie. Mais la police... Cinquième jour, 20h17. On peut savoir ce que tu fais. Les rats doivent partir d'ici, mais nous, alors on doit rester. On laisse les faire mon travail. Tu vas pas me dire ce que c'est, hein? Allons doucement. Les humains devraient être mieux traités. Je suis en train de parler à monsieur, c'est tout. Oui, c'est Lionel, je veux parler à Nora.
encore pour combien de temps, Dick? J'en ai encore bien pour 7 heures. Bon sang, tu sais que cette foule est sacrément hostile. Mais ça donne froid dans nos places. Allez, bravo, bravo, attention, bravo, est-ce que tu as trouvé quelque chose? Non, aucun rat à risque. Et on s'éloigne de plus en plus de chez les Ortiz et de leur foutu appartement. Tu prends la deuxième caisse? Eh ben, ici non plus, il n'y a rien de nouveau. Alors, bonne nouvelle de partout, hein. Attendrez voir, comme disait si bien mon père. Je ne sais pas, peut-être que le maire avait raison. Rappelle-moi plus tard. Allez, on s'en va. Allez les enfants, on s'en va d'ici. Hey, vous nous laissez ici pour mourir? Reste calme, mon vieux, on fait notre... C'est quoi, juste? Du calme, je te dis. Est-ce qu'on n'a pas le droit à des médicaments? Allez, ça suffit comme ça. Il y a tout ce qu'à manger ici, tout baigne. Allez, sois gentil, calme-toi. Non, madame. Votre bébé est beaucoup mieux avec vous, d'accord? Il n'y a pas de danger ici. Tout ira parfaitement bien. Allez, on se... Qu'est-ce que c'est que cette bande de guignols? Ils sont comme des hypocrites, mec. Ils vont nous laisser crever sur place. Eh bien, votre sénateur... Cinquième jour, 20h19. À l'aéroport, mais il a toujours sa réservation sur le dernier vol pour Washington. Alors, on n'a qu'à faire des recherches dans la zone où il s'est fait déposer l'autre soir. Est-ce qu'on a au moins une photo? Oui. Et je vous conseillerais d'appeler la police et de signaler sa disparition. Dolores, est-ce que tu as pas du repos? Non, pas encore. Ça t'embête si je vais dormir? Non, ben, vas-y, on essaiera de se débrouiller sans toi. Merci, excusez-moi. Gail, est-ce que Cabwell a répondu à mes appels? Non, non, pas encore. Mais où est-ce qu'il est? Je ne peux pas lancer un avis de recherche sans sa permission. Ben, je ne sais pas ce qu'on doit faire vis-à-vis de la presse. Cinquième jour, 21h14. Très bien. Il y a un taxi qui nous attend en bas. Crois-tu que tu vas pouvoir descendre?
Courage. Merci. Merci. Calvin, je t'aime. Je croyais qu'on n'avait pas le droit de se dire ce genre de choses. Je croyais qu'il ne voulait pas... Mais... Ah, allez, vas-y. Dis-le. Très bien. Dis-le. Je t'aime. Bien sûr que tu m'aimes. Je l'ai toujours su. Laissez-moi, s'il vous plaît, j'ai des tas de choses à faire, laissez-moi. Attendez au moins que tous les rapports soient sur son bureau. Écoutez, mesdames et messieurs, vous voyez bien que je suis occupé, voyons. Dites, êtes-vous prêt à faire une déclaration à la presse? Monsieur Carmichael va vous faire une déclaration dans quelques minutes. Alors à quoi sert cette panique? Monsieur Capwell, on peut savoir pourquoi vous avez maintenu cette tenue? Monsieur Capwell, monsieur Capwell! Alors, Dr. Hart, c'est vous qui avez vendu la mèche, n'est-ce pas? Je n'ai absolument rien fait de ce genre. Le maire aurait mieux fait d'être honnête vis-à-vis du public. Je vous avais dit que la presse finirait par le découvrir. Oui, mais tout ça, ce sont des mots. Où sont les nouveaux cas? Il n'y en a pas. Votre petite épidémie est finie, alors allez dire à la presse que vous l'avez circonscrite. Oh, pour l'amour du ciel. Écoutez-moi, de très graves émeutes ont éclaté dans cette ville. La tension s'accroît. Il est temps de faire retomber cette histoire. Je t'en prie, Nora. Ah, je crois qu'il faut que tu viennes en salle d'isolation tout de suite. Gail. Oui, je crois qu'il le faut. Vous n'irez nulle part tant qu'on n'aura pas réglé tout ça. Je considérerai cette affaire comme réglée quand vous aurez retrouvé le sénateur Phillips. Docteur Hart. Excusez-moi, vous n'êtes pas l'adjoint au maire Capwell. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis étonné de vous entendre dire avec assurance que cette épidémie est terminée. Qui vous a remis votre diplôme de médecine? Mon patron, Andrew Carmichael. Je suis le médecin-chef responsable de la prochaine convention. Et je ne laisserai pas mourir cette convention par la faute d'une bande de médecins aigris et subventionnés par l'État. C'est si drôle que ça, ce que je suis en train de dire? Oui, enfin, je crois que ça risque de faire rire pas mal de gens. Nora. Il faut que vous me teniez une réponse. Mais arrêtez! Non mais vous allez me lâcher! Je vous ferai suspendre! Vous n'êtes qu'un jeune pourri! Je vous ferai mettre à la porte! Et je crois que ça suffit! Je vais porter plainte contre vous! Ah, je suis sûr qu'on va décrocher la mâchoire, là. La mâchoire, là. Je dois passer des radios, quoi. Là. Je ne suis pas médecin, je suis journaliste. Et bonne chance, monsieur Capwell, quelle que soit la carrière que vous allez choisir maintenant. Bonne chance. Oh. Et toutes les voies d'accès vers... Cinquième jour, 21h29. La police a lancé plusieurs mises en garde. On est au East Side Hospital. Écoute, il faut que j'y aille. J'ai un discours important à prononcer. Tu le sais, il faut absolument que j'aille à Washington. Tiens, ma chérie, regarde, tiens, voilà une chaise. Assieds-toi. Charlène. Charlène, est-ce que tu m'entends? Charlène. Écoute, ça ira bientôt mieux, d'accord? Faut pas t'en faire. Vous venez d'arriver, vous avez vu un docteur? Un incendie a éclaté dans Central Park au nord de la 86e rue. Oui. Les pompiers sont déjà... Merci d'avoir attendu. C'est vos dollars, monsieur. À Kennedy, et vite. Ça risque de prendre un certain temps à la radio, dites que la circulation est bloquée. Débrouillez-vous comme vous voudrez. Je ferai ce que je pourrai. Et à la raison. Pour éviter l'escalade, tous les citoyens de cette ville sont priés de rester chez eux. De toute façon, les principales artères sont bouclées. C'était mon ami. Et dire que c'est moi qui l'ai embarqué là-dedans. Nora. Cette maladie frappe de façon aveugle. Elle ne choisit pas les gens qu'elle attaque. Elle se fiche complètement de la façon qu'ils ont de réagir au traitement. Tu le sais bien. Oui.
Ça aurait pu tout aussi bien tomber sur toi. Tu n'as pas à tout porter à bout de bras toute seule. Peut-être que ce fardeau est trop lourd. Oui. Qu'est-ce que c'est, un vieux dicton d'Indiana? Oui, peut-être. Et tu sais qu'on en a beaucoup, des comme ça. C'est intéressant, l'Indiana. Une jeune femme inconnue a été hospitalisée à East Hospital. Très bien. Je vous avais prévenu de ce qui nous attendait, monsieur. Vous avez de la chance que ça avance un peu. Cinquième jour, 22h14. Et tout le monde essaye de quitter la ville. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Mais pas l'air de comprendre que je dois me rendre à Washington. Eh oui! Merci. Quelqu'un a enlevé systématiquement tous les papiers qui étaient dans son portefeuille. Et l'homme qui l'a amené a disparu. On ne savait pas ce qu'elle avait à ce moment-là. Et où était le portefeuille? Oh, dans son sac. Tenez. Merci. Il s'est fait livrer un repas. Ça y est, j'ai une adresse, viens. Vous pouvez finir ça? Où est-ce qu'on va? On va à deux ou trois blocs de l'endroit où la voiture a déposé le sénateur Phillips. Et qu'est-ce qu'il y a? On a une adresse. Nous n'avons pas. Le maire est à la télé. Affoler les citoyens et les visiteurs dans notre grande cité. Je voudrais lancer un appel à ceux qui sont en train d'essayer de quitter cette ville. S'il vous plaît, comprenez que vous n'êtes pas en danger. Tous ceux qui ont décidé de gagner une gare ou un aéroport sans raison essentielle doivent rester chez eux. Les manifestations et les émeutes ne servent à rien. Elles peuvent porter un coup définitif à notre chère cité. Et je vous demande de retrouver... Cinquième jour, 23h06. La compréhension mutuelle. Je vous dis, n'ayez crainte, nous nous en sortirons. Eh ben voilà, ça y est, j'ai manqué mon avion. Mais ça, c'est le trafic, monsieur, je suis désolé. Oui. À combien sommes-nous de Penn Station? 8 à 10 blocs. Bon, très bien, on y va. Oubliez l'aéroport. Vince, on vient de me dire qu'il avait raté son avion. Mais alors, où est-il? Je sais pas, mais il se pourrait que j'ai une adresse. On est en route, on va vérifier. Donc j'irai plus vite à pied. Le train à destination de Trenton, Philadelphie, Baltimore, Washington, s'apprête à partir, voie 4. En voiture, s'il vous plaît. Cinquième jour, 23h20.
Cinquième jour, 23h24. C'est une violation de la Constitution. Ah vraiment? C'est le sénateur qui vous a dit ça? Je vous ai déjà dit que je ne connaissais pas de sénateur Phillips. Il n'est pas venu ici? Alors que signifie la présence de ce flacon avec son nom dessus? Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Quand il est parti, était-il avec une femme d'environ 35-40 ans? Je suis désolé. Le sénateur Phillips a été en contact avec quelqu'un qui avait la peste. Il est hautement contagieux. Si vous avez eu un contact avec l'un des deux, la seule chance que vous avez de vous en sortir, ce sont les antibiotiques que nous avons, nous, dans ce sac. Mais si, comme vous le dites, vous ne l'avez pas vu, il n'y a aucun problème. Je lui ai appelé un taxi il y a environ 2 heures. Il devait le conduire à l'aéroport. Oui, mais il n'y est jamais arrivé. Il faut appeler cette compagnie de taxi. Il faut qu'on parle à ce chauffeur. Oui, ce chauffeur aura aussi besoin de se faire traiter. Non, non, non. Non, il nous a été confirmé qu'on l'avait déposé à Penn Station. On pense qu'il a pris le train pour Washington. Information, bien trop tard. Le dernier train pour Washington vient de partir. Voulez-vous que je prévienne la prochaine gare? Non, il faut absolument arrêter ce train et le mettre sur une voie de garage. Il faut garder tous les passagers à l'intérieur du train. Très bien. Je fais ce que je peux. Et s'il n'avait pas pris ce train, s'il était quelque part dans la gare? Vous y allez immédiatement et vous la faites boucler. Que personne n'en sorte. On peut faire ça? Il le faut, non? Je ne peux pas rater ça. Bien, Docteur Hart. Nous avons prévenu le mécanicien. Nous détournons le train sur une voie d'entretien. Cinquième jour, 23h40. Descendre de ce train avant que les soins nécessaires aient été pratiqués, on est d'accord? Oui, alors bon. Et qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai pas envie de rester là. Il faut vite sortir de ce train. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la peste. Quoi? C'est là, on va tous la voir. Hein? Quoi? De quoi il parle? Mais enfin, il est où? Il pourra nous expliquer. Et qui c'est cela? C'est pas... Voilà, je sais pas, c'est... Vous avez vu ce flic? Il a un masque. Quoi? Oh mon Dieu! Non, c'est pas vrai. Mesdames et messieurs, restez à votre place. Gardez votre calme. Vous devez rester dans ce train jusqu'à ce que des soins vous aient été donnés. Regardez, c'est lui là! Lui là! Ah là là, il y a un malade! Sénateur Philippe? Je suis membre du Congrès des États-Unis. Sénateur! Tenez bon. On va s'occuper de vous. Vous voulez venir avec moi? 2 jours plus tard.
Ça aurait pu être pire, si vous aviez vu ce qu'ils ont fait au rat. Oh, bon sang. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles, Katz. C'est vrai, quoi. Ah, ce sont même de terribles nouvelles. Cette ville est vraiment trop ingrate avec moi. J'en ai aussi d'excellentes. Et quelles sont-elles? Mon frère est avocat. Oh. Hé, hey, Chapman, Vincent est passé ce matin et j'ai lu ton papier. T'as bien cartonné sur le maire et sur Capwell. Ah oui, Capwell démissionne et le gouverneur a ordonné une enquête sur les hésitations du maire. Oh, je crois qu'on vient de se faire de nouveaux amis. Bon, s'il n'y a pas d'autres cas dans les deux jours, je crois qu'on aura gagné la partie. Il y a eu combien de morts? De la peste, il y en a eu 22. Et il y en a eu 46 dans les émeutes et les mouvements de panique. Eh bien, ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être mieux. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rester dans cette ville ou quoi? Chapman est en train de te faire passer pour une sorte d'héroïne? Je ne sais pas, je vais réfléchir. Il paraît qu'on vous a fait une offre très intéressante de l'Indiana. Ça suffit, Niles. Ça m'étonnerait que tu quittes cette ville. Mais c'est vrai, je vois mal comment tu pourrais envisager de vivre ailleurs. Enfin, c'est vrai, comment ferais-tu? Après tout, on a les Giants, les Jets, les Knicks et aussi Shakespeare dans les parcs. Oui, Broadway, Chrysler, Bullitt. Oui, c'est vrai, une ville, c'est vraiment une ville super. C'est vrai que je commence à m'y aller. Oui, le jardin botanique. C'est vraiment la belle ville.